C'est parti, si on Five Guys, j'ai rangé ma caméra parce qu'il pleut sa mère. Qu'est-ce qu'on va faire, mon ami? Faut qu'on a trouvé une strat, on va manger Five Guys comme ça. Quand on sort, il arrête de pleuvoir, on prend Uber et drache à mort. On va à l'autre endroit. Drache à fond de balle. Five Guys, Five Guys. Petit Five Guys des familles. Five Guys, Five Guys. Ouais, c'est déjà pris, les amis. Ah ouais. Oh, maman. Déjà, les gars, Five Guys. Non mais on est des gros porcs. Les gars, on est venus, on fait que manger des burgers depuis qu'on est là. Avec Valouz, c'est la base. Oh là là, regarde-moi ces couleurs. Non mais tu sais que là, je bombe. Oh là là. Non mais non. Attends les gars, non mais c'est incroyable. Mec, il est coloré comme jamais. Non mais tu sais que c'est incroyable. Alors, ils en ont oublié deux. C'est, on dirait les burgers perfects, genre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du bon smash, ouais. Hein, tu vois, le croustillant. Toi, t'as pris du double ou pas? Non, moi j'ai pris deux normales. Moi j'ai pris salade tomate, mais sans sauce. Mais attends, mais gros, ils ont l'air incroyables. Il y a pas de sauce là. Je pense qu'ils ont pas mis de sauce dans les deux en fait. Ils ont mal compris la commande. Les gars, regardez-moi. Oh, l'odeur. Théma, le burger. Oh là là là. Furieux. Et regardez le mien là. Oh la bête. Code créateur Valouz. Non, mais les steaks de baiser. Non. Théma, comment les steaks gros. Oh là. Les gros yens. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé. Mais non. Attends, il y a deux steaks gros. Mais regarde-moi ça. Incroyable les burgers. Oh. Gros, tu sais que Val, je kiffe quand je regarde tes vidéos dégustation. Là, on est tous les deux, frérot, trop en même temps. C'est un honneur, c'est un honneur. J'ai envie de croquer ça avec toi, alors. Vas-y, chin. Chin. Pourquoi ça n'existe pas en France, hein? Ouais, c'est trop bon. Simple, efficace, hein. Un joli bun. C'est trop bon. Des bons steaks. Du fromage, tout est fondant en bouche. Excellent. La tomate, elle apporte tellement de fraîcheur. Oh, c'est excellent. J'ai pas les mots. Non, c'est bon, en vrai, Five Guys. C'est aussi bon que franchir. Check, c'est différent. C'est moins gros, moins bourratif. Moi, pour faire, moi. J'aime bien les deux. Le fromage, il est large, mais ouais, c'est vrai que le fromage, il est délicieux, frère. Regarde-moi ça. Les gars, dites-moi, c'est quoi votre fast-food préféré? Mais lui, je le mets dans mon top 5. Ce que j'aime bien avec le check-tac, c'est que le bun, il est fermé derrière. Comme ça, moi, il coule pas. Ah ouais. Il coule pas, tu vois. C'est fermé. Ah ouais, j'adore. Excellent. Excellent, gros. Et attends, les gars, fruits pro fromage. Ça, j'en ai jamais pris. Ah, je suis moins fan. Moi, j'aime bien. C'est de la béchamel, un peu, je trouve. Ça fait fromage un peu fort. Non, c'est fromage avec un peu de crème béchamel. Moi, les gars, je surkiffe. Je suis moins fan des fruits de fromage. Moi, je préfère Chacha quand même. Mais c'est vrai qu'en vrai. Moi, si tu me fais le gars. C'est kiff-kiff. Oh ouais, non. Ça, c'est meilleur. Trop bon. La salade, les tomates, elles sont meilleures que Shake Shack. Le cheddar, il est meilleur que Shake Shack. En tout cas, les gars, on peut dire que le pain, c'est indiscutable. Ouais. C'est mieux que le burger du stade. C'est indiscutable, frérot. C'est bon manger un burger quand même. C'est délicieux. C'est masterclass manger un burger. Comment ça se fait qu'on aime bien manger les burgers? Honnêtement. Bah parce que c'est un steak, du pain. Ouais, mais c'est facile à manger. En fait, c'est ton assiette, ouais, j'avoue. Et même, ça a une bonne gueule. C'est un truc que tu te dis. C'est vrai que c'est visuel. Ouais, par contre, on en parle des coca, les gars. C'est un café, là. Mais bon, t'as pris des. Il a pris du poulet. Ouais. Au check-check. J'avais envie qu'on teste un nugget. C'est parti. Éclaté. C'est pas leur fort. Si, il est quand même un peu assaisonné et tout, mais voilà. Pas ouf, les gars. Mais il est pas trop gras. Au steak, c'est ça, pire. Ça, mon gars, c'est 1000 calories. Hein. Au steak, c'est pire. 1000 calories, là hein. Bah, j'ai vu. Au cheeseburger, double steak, c'était 860. Plus, quand tu rajoutes mayonnaise, etc., ça monte à 1000. C'est 1000 calories, ce 1000 petit calories, le burger, frérot. Bon, dans notre week-end, je pense là on a mangé pour au moins 10 000 calories. Au moins 5-6 000 calories, au moins. Le but c'est qu'on fasse 10 000 avant qu'on mange ce soir. Ouais, ce soir on va au meilleur endroit du monde. On va se casser le ventre. Mais le pain c'est pomme de terre? Je crois que c'est un potato bun, hein, peut-être. Il est juicy, regarde. Il est juicy, gros. Le mien, c'est par contre celui que j'ai là, c'est celui que tu manges. C'est que de la viande, du fromage et du pain. Rien d'autre. Moi j'aime bien mettre la salade et la tomate dans le burger, ça me met de la fraîcheur. Je suis d'accord, mais je pensais qu'il y en avait avec le double. C'est vrai, il y en a normalement. C'est quoi le programme de cet après-midi là? Là on va donner à manger aux écureuils, mais je sais pas ce qu'il faut leur donner à manger. On leur donne quoi à manger en vrai? Il y a un parc, on verra. Tu donnes des glands? Tu vas donner ton gland de lait? Ouais, c'est vous m'avez trollé avec ça. Glandelet, je pensais que ça existait vraiment au début. Hein. Je pense qu'il y a un mec qui doit vendre des petites cacahuètes et tout. Mais c'est vrai, ça mange quoi un écureuil en vrai premier degré? Moi dans ma tête, ça mange des glands. Ça mange des glands, des bons gros glands. Gros, t'as 30 piges, tu rigoles de ça, frérot. Là, ça veut rien dire, tu me parles pas d'âge, moi. Moi, on parle pas d'âge.
trop bon. Trop bon. Tu sais que j'ai déjà tué, hein. Regardez-moi ce fromage. Est-ce que vous avez envie de croquer dedans, là? Les gars, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est bon de manger? Manger, c'est la meilleure chose au monde. J'ai juré, les gars, c'est meilleur que Shake Shack. On dit Shake Shack parce que Shake Shack, on n'est pas habitué. Ouais. Mais je te jure, c'est vraiment bon, là. C'est frais et chaud et coulant, le fromage. Et il nourrit plus que celui de Shake Shack. Celui de Shake Shack, t'en prends un tout seul, t'as le seul. D'accord. Vous voulez que je vous dise un truc? J'aurais pu taper un deuxième. Non, t'as vu. Ouais, tu peux taper. Mais moi, là, je vais en taper un autre, là. Mais je vais pas le faire. Oh là 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 là, mais toi, tu sais me parler, toi. Le rang de deux. Mais vous êtes gore. Magnifique. Mec, ils sont vraiment beaux, hein. Ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment jolis. Franchement, manger, c'est trop un plaisir de la vie, les gars. Mais gros, manger, c'est le meilleur plaisir. Ouais. Pour moi, c'est le top 1 plaisir. Non. Avant même faire l'amour. Top 1, dormir. Quand t'es fatigué et que tu dors, y a rien de mieux. Moi, je préfère manger que dormir. C'est vrai que dormir, moi, c'est bien. Moi, t'en penses, c'est dormir. Dormir, gros, c'est trop, moi, bien, c'est de dormir. Moi, c'est manger, dormir. Mais et est-ce que dormir, c'est plus un et besoin, hein? Dormir, c'est plus un besoin, tu vois. Alors que manger, des fois, ouais, c'est mais pas des pas fois, ça fait du bien de dormir quand même. Oh, c'est trop bon. Oh là 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 là, comment c'est bon. La sauce, incroyable. Le simple steak, finalement, il fait vraiment le taf. Salade tomate, rafraîchissant. Incroyable le burger. Potato bun. Il est même meilleur le simple que le double. Du coup, c'est de la pomme de terre dans le pain. Je suis pas sûr, hein, mais oui, peut-être. En général, les pains comme ça, un peu briochés, ouais, il y a de la pomme de terre. Allez les amis, c'est pour vous celle-là. Le dernier croc. Bien les plus. Gars, je me suis pété le bide. Je viens tellement jamais au Shake Shack, j'aurais été capable d'en prendre un troisième. Tellement non. Genre, waouh. Je jure. Voilà, t'en as mangé deux. 1000 calories. 1000 calories. Même gros. Plus, c'était 600. Non, le cheese, il était à 700. Ouais. T'as 1200 calories, gros. Les frites au fromage, t'auras fait tous les calories de ta journée. Elles sont sympas, leurs frites. Hein. J'ai l'impression que je suis chez mamie et elle a fait des frites surgelées, quoi. Les gars, c'est des petites frites en vague, c'est trop satisfaisant. C'était succulent, j'ai adoré. Franchement, les gars, on pourrait se dire, putain, il pleut dehors, etc. Ça fait chier la pluie. Mais frère, je passe un excellent week-end. Ça vous a tristonné dehors. Vous avez remonté Londres dans mon estime. Ah ouais? Bah, en fait, j'ai fait pas mal de fois Londres, et à chaque fois, j'étais plus en plus déçu, tu vois. Et là, c'est remonté, tu vois. Voilà, les gars. Moi, j'aime bien, mais je trouve que c'est un peu tristonné. Moi, j'aime bien justement cette ambiance un peu tristonnée. Mais... Les frites, bah, elles sont bonnes, mais sans plus. Les frites de Shake Shack, elles sont meilleures. Tu sais que les milkshakes sont incroyables. On aurait dû prendre des milkshakes. Je pense qu'il y a même des milkshakes au bacon. À Paris, il y en a. Ouais, mais ça, ça me dégoûte. Ouais, bah oui, parce que je change pas de temps. Non, mais même, quand tu prends un milkshake, tu prends le chocolat, la fraise, le bacon, t'es plaisir. Tu vois, leur cheddar est super bon dans leur burger. Ouais, ils devraient mettre du cheddar sur les frites eux-mêmes. Là, ce serait incroyable. Merde. Le cheddar du burger dans les frites. C'est le cheddar bien brillant, là. En deux jours, on a mangé 4 burgers. Aberrant. Ouais. Aberrant. C'est vrai. Non, en 24 heures. En 24 heures, 4 burgers. On a mangé 4 burgers. Aberrant, les gars. Ça fait du bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, ouais, c'est bon. Ça fait extrêmement du bien, les amis. Ça faisait longtemps, on avait pas fait une dégustation ensemble. Tard l'époque. Les gars, un jour avec Valou, je me rappellerai toujours une dégustation qu'on a fait chez toi à Tours. T'as croqué dans le burger, il y avait du bacon. Il y avait du bacon. C'était trop drôle. Oh ta tête, gros, j'étais mort. C'était trop drôle. Alors qu'on avait demandé sans bacon. Ouais. On croque dedans, il avait fait. Non, on n'avait pas demandé sans bacon. C'était un burger où normalement il n'y avait pas de bacon. Ah oui, ils ont mis du bacon. Mais oui, ils ont dit, ah, allez, on lui fait un kiff. Bah franchement, non, je retire ce que je dis. Les nuggets sont vachement bons. J'ai bien aimé. Ah ouais, pas aimé. Eh ben frérot, je me suis régalé. J'attribue ma note. Chacun une note. 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. Oh. Quoi, j'ai 9. Moi j'ai 9. 8,75. Ok, moi 8,5 moi. Mais toi, t'as toujours été un bouffeur de glaçons. Eh, la team mangeur de glaçons dans les commentaires. Mais frérot. Tu sais que c'est pas bon pour le ventre. Frérot, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font ça, gros. Bah ouais, à chaque fois, on me regarde bizarre, on me dit pourquoi tu manges des glaçons. Mais frère, tu les manges, tu les croques. Bah oui, mais c'est trop bon. Montre-nous vite fait comment tu fais. T'as jamais fait ça, toi? Bah si, mais ça m'a arraché les dents. Moi, pas j'aime mal bien. Au hein. Pas ouf, moi, ça me fait tout frais. Mais c'est sûr, il y en a plein qui le font. Gros. C'est moi, sûr, moi, il y en a m'a plein. Dit que dans les machines des glaçons, c'était dégueulasse. Il ne fallait pas manger les glaçons. Il fallait même pas demander de glaçons après moi. En général, quand tu tombes malade, la tourista ou quoi, c'est les glaçons. Bah les amis, j'espère que vous amusez, que vous passez un bon moment en tout cas. Ça me rappelle le bon vieux temps, cette caméra Valouze. Les gars, le temps passe trop vite, je suis un nostalgique moi. Tu te souviens quand au Canada tu me l'avais piqué, t'avais fait une dégustation de McDo avec Doc. Mec, t'as un burger qui faisait 7 tonnes. Le temps il passe trop vite. Je suis un peu en... Des fois je suis en déprime. En mode des fois je suis en déprime parce que je me dis le temps passe vite et un souvenir c'est un souvenir, tu peux pas le revivre. Ouais. C'est pour ça que je les filme. Avec les caméras. Tu peux les revivre avec les caméras. Mais tu vois l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là, ouais, ouais. Y a un mood.
Il y a une odeur. Je vois.